Elle nous vient du Fayoum, elle s'appelle Suzanne Nabir, elle nous présente cette exposition qui en fait c'est l'objet de sa thèse, une exposition qui s'appelle Silhouette Malamer, si vous voulez, en langue arabe. Alors vous allez voir des lignes vraiment très, on va dire très pointues, mais en même temps qui représentent un message particulier. Une espèce d'harmonie, je dirais, entre forme, ligne et couleur. Une exposition très intéressante que je vous propose de regarder de suite. Sous le titre Silhouette, professeur Suzanne Nabir a réalisé sa dernière exposition personnelle à la salle Robert. Cette exposition a réuni 15 réalisations artistiques comprises entre la peinture à huile et le portrait. أنا أستاذ مساعد في كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية بجامعة الفيوم. أنا طبعا بعمل المعرض ده استكمالا للحصول على درجة أستاذ. Au départ, cette exposition était pour l'obtention de mon doctorat et puis mon statut de maître de conférence. L'exposition a réuni 15 œuvres artistiques. C'est une étude analytique de tout ce qui est artisanat égyptien, comme la fabrication de tapisseries, etc. Une exposition qui a une variété très importante sur le patrimoine populaire. L'histoire égyptienne est remplie d'histoires populaires qui représentent une grande partie de l'héritage égyptien. C'est ce que j'ai voulu traduire à travers mes réalisations.
Je voudrais mettre l'accent sur un point très important. Les réactions de l'artiste diffèrent d'une étape de sa vie à une autre. Alors un jeune artiste n'a pas les mêmes conceptions de la vie et de l'art qu'un artiste plus âgé. Dans cette exposition, j'ai voulu mettre mon point de vue personnel sur les événements du pays. L'artiste Suzanne Nabih a mis l'accent sur cette partie qui ne ment jamais, cette partie qui reflète toute la personnalité, ce sont les yeux. Chacune de ses œuvres comporte tout ce thème. طبعا الانسان بينفعل بكل الاحداث اللي بيمر بيها واحنا بنعيش حاليا فيها عمليه حب. On peut constater que les yeux ont une place importante dans toutes mes réalisations parce que je considère que c'est la partie la plus sincère et qui reflète toute la personnalité. Elle donne un signe sur les réactions de l'être humain. Une personne peut dire des choses que ses yeux vont démentir. À partir de là, je considérais que les yeux reflètent aussi le caractère de la personnalité. Je peux savoir que cette personne est soit heureuse, soit triste, soit mal en point, inquiète, juste en observant ses yeux. Suite à la révolution de janvier et de juin, je pense que l'art égyptien a profité et s'est beaucoup amélioré. Il faut dire que ces dérévolutions lui ont donné de nouveaux thèmes. Alors on peut dire que les influences de ces dérévolutions ne t'éteignent pas seulement sur les libertés, mais aussi sur l'art d'une manière positive et vraiment de la meilleure manière.
À noter que l'artiste était très fier d'exposer ses réalisations à l'intérieur de l'atelier du Caire, un passage obligatoire pour tout artiste. C'était Ahmad Hosni pour le Journal de la Culture. Bien, j'espère que vous avez apprécié ces expositions en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Rappelez-vous que le Journal de la Culture, c'est tous les vendredis à 19h. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.